les retombées nettes. Je sais pas ce qu'elle a eu. Elle s'en s'emballait de la conso. Il nous reste une barre. Pa. Ouais, ouais, c'est de bécane. Je me fais saigner les tympans, mais qu'est-ce que j'adore. Bien sûr qu'on entend perpète. Ah, tu sers ton crâne, t'es assez jouissif. Conduite de marabout. Ça fait quoi? Ça fait 3-4 jours que je l'ai pas sorti. Et avant de pas la sortir, je roulais chicaner. C'est pour ça les mecs, ne roulez pas toujours des chicanés, sinon vous allez perdre ce plaisir que c'est d'enlever la chicane après. Surtout quand vous allez remettre la chicane, je vais dire en fait c'est nul, tu vois. Mais c'est nul au moment. Mais après quand tu la renlèves, pff, oh là là, t'as une nouvelle moto frère. C'est comme si t'avais mis une ligne sur ta moto. C'est un délire. Et là la station essence, je vais remettre la chicane parce que je sens que je vais faire l'exciter jusqu'au bout. Ça va pas être très bon pour ma conso surtout. Ah bah où est-ce qu'on se met chef? Ouais, rien là, si. Je sais plus. On va y aller au talent fils. Hop les SP4X, tu crois qu'on tourne à quoi nous? Si je pouvais tourner à l'éthanol, je le ferais, fada. Je sais pas si je rec. Et si je rec, tu es fada. Ouais, je serais pas SCH, toi pour être comme ça. Ouais. Non. Ouais, je vous dis les mecs, j'ai dormi 3 heures et je vais être insupportable. Soit tu es un homme, soit tu es une omelette. Oh non! Hors service, j'ai le démon. Tu es parfois là de faire des trucs comme ça, toi. Oh là, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh là, messieurs, il y a un petit problème là. Allez, dis-moi. Mais je vais les enculer. C'est une dinguerie, il n'y a aucune machine qui marche. Oh, je vais aller là-bas, là, ça veut dire. On va aller derrière la Ibiza. Voilà, parce que je sais qu'il y en a. Et là, c'est sûr. Putain, on m'appelle. What the hell? What the fucking hell? Why are you? Qui est-ce? Oui, allô? Au revoir. Moi, je médica dans une formation, moi. Jamais de la vie, gros. Je médica dans un R1, je médica dans une Juke 1290, je médica dans tout ce que tu veux, comme Bacon, mais je mets jamais médica dans une formation. Bref, passons. Crac! Ça claquait. Parle dans le vent, la meuf. Pour me dire. Ouais. En fait, il faut que tu lâches une cas par année et tu rembourses ton crédit ensuite grâce au job que tu as trouvé. Mais en fait, tu peux pas toucher ton argent parce que tu dois rembourser un crédit. Donc en fait, ton argent, tu le touches 10 ans après, fils de pute. Oh là, les mecs, oh, 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 les mecs. Ma dupe, ce beatboxer ou quoi là? Là, je suis dans le palais. Ouais, je suis parti dans tous les sens, les gars. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, là, j'ai dormi 3 heures, les mecs, cette nuit. C'était un enfer. En même temps, c'est de ma faute. Je vous le dis, j'ai cédé à la sieste. Voilà. J'ai fait 17h, 19h30. C'est bon pour vous? C'est bon. Donc, voilà. Je suis couché vers 5h. Du coup, je me suis levé à 7h. 5, 6, 7. Ouais, à peu près comme ça, j'ai dormi 3 heures. Bref, c'est un calvaire cette journée. En plus, elle a été longue. Elle était rude. Et allez savoir comment je trouve la force d'aller rouler. Même moi, je ne comprends pas. J'ai le cerveau à l'envers, c'est pas normal. Oh là là, ce bruit! Accélération 3, 2, 1, point de droit. C'est de la merde bridée quand même, ça avance pas. Hein. Frère, il se décale pas, tu fais.
leur fais peur un peu là. Cette fils d'un p*** dans les pochas là. Toi tu veux pas décaler hein. Tiens les gars, je fais que écouter Nino en ce moment et ça me refait mes journées à chaque fois. Ah là là, quelle plaisance. Arrête. Ah là là, arrête pas ce bruit. Ah, je deviens fou, c'est terrible. Je vous dis, hein, quand je suis fatigué, je dis n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Ah, on chasse pas nous. Comme ça, je les prends. Fusil à pompe, frère. Attends, en deux, ça va être mieux. Ah non, mais je vais m'envoler en deux. Je suis un ouf, moi. Brasil. Brasil, caralho. Le Brésil, il faut comment? Il faut comme ça. Quelqu'un derrière moi, j'ai paniqué. Wouh! Brasil! Alors, il est où maintenant? Il est loin! Wouhou! Parce que c'est quoi une Tesla? Aéroport! Wouhou! Sa gueule là, avec sa Tesla! T'es pas un bruit, hein? Je me fais des films tout seul, il y a même pas parlé! Wouhou! Sur tout le monde. Je suis trop excité les gars. Alors que je devrais pas, je devrais être cramé. Je pense les mecs sous coque, ils ont un peu cet effet là, tu sais. Au fond d'eux, ils sont vraiment cramés, mais la coque elle les excite, du coup ça rend un effet d'euphorie. Je sais pas si je suis scientifique, mais je m'en bats les couilles. Là, vous voyez, c'est de la merde ce que j'ai fait. Là, j'ai juste fait concours de b. J'ai juste fait la vitesse là. Oh, fait du bien quand ça s'arrête quand même, mais pas pour longtemps. Allez, on va te régaler, chat. Je sens qu'il va se boucher les oreilles, les gars, je vous le dis. Il en peut plus. Le mec devant, il en peut plus de moi. Oh, je suis infernal, les mecs. Let's go. On y retourne. Je sais même pas si je filme encore, mec. Tellement ma bacon a fait du bruit. Ouais, je filme, mon gars. Y'a quoi? Valentino Rossi. Wouh. Brasil, Brasil, caralho. Je veux plus m'arrêter, les gars. Imagine que tu passes les rapports comme ça. Ça, c'est que les LGBT qui passent les rapports comme ça, mon ref. Ah, mais j'ai oublié, les LGBT, faut pas de moto, frère.
Ah si si, ils font de la moto, c'est ceux qui ont des perruques là, sur leur casque. Allez, balle perdue pour ceux qui ont des perruques sur le casque. J'en ai rien à foutre. Les gars, c'est bien gaze les perruques sur le casque, sachez-le. Je vous le dis, vous avez... Putain, je crois que c'était ma soeur. Wesh. Elle lui rassemblait de ouf. Ah non. Ah, ça claque, hein. Pas crapaud, bête, mais c'est la merde au carail. Les gars, j'adopte petit à petit le frein arrière. Là, j'appuie de plus en plus dessus et je suis assez content de ma progression, en vrai. Déjà, qui est assez fou pour cabrer sans avoir le frein arrière? Moi. Ah, vraiment, comment ça excite de déchicaner. La meuf, elle a pété. Elle a pété. Oh là là. Mais chef. Chef. Oh. Let's go! Même quand tu sais pas cabrer, les gars, t'as des pouces comme ça. Non, c'est vraiment. Oh merde. Bon, ben voilà, ça s'arrête là, les gars. Allez, ciao ciao, fin de la vidéo, les mecs. La bise. Non, je vais faire 2-3 passages et après, les gars, je vais me poser. C'est vrai qu'il faudrait que je ferme la visière quand même pour vous. Ça doit être sûrement plus agréable. Et au fait, encore un millième et centième de milliers d'essais avec ce putain de nouveau micro que j'ai acheté. Et je me suis dit, vas-y, je vais en prendre un haut de gamme. Mais le haut de gamme, en fait, si tu veux, il est trop haut de gamme. Il capte trop ma voix et ça sature à mort tout le temps. Du coup, c'est assez désagréable. Et là, j'ai trouvé une technique et je l'ai mis au-dessus de mon crâne. Alors, je peux pas vous faire... Si, je peux vous faire un tuto, mais j'aurais la flemme de le faire. Ne me demandez pas, ouais, tuto, comment t'as fait ça? Parce que je vous le ferai pas. Je vous le dis clair et net. Ou peut-être en story, je vous mettrai un truc. Suivez-moi sur Insta du coup, si vous voulez voir ça en story. Et voilà. Je sais plus quoi dire. Merde, y'a un gars, putain. Je vais devoir relever, je vais devoir lever comme plaisir. Comme plaisir, carac. Voilà, c'était de ce point d'équilibre que je parlais. Allez, c'est parfait pour arrêter ici, les gars. Hop là. Je suis vraiment insupportable à gueuler tout le temps, c'est terrible. Ouais, là, deux jours. Ouais, le deuxième tour, ouais, let's go. Je sais pas pourquoi je m'excite pour ça, c'est nul. Il a fait juste un tour de rond-point plat. Parce que oui, ça rond-point plat quand même. Eh, mais c'est pas une marque de fou ça? Vous savez, la marque avec les lunettes là, au-dessus du crâne. Je crois que c'est ça, mais en version Wish, non? Olé! Eh, ça fait la course là, les deux jumeaux. Bref, les gars, vous savez que je sais faire l'alphabet en rotant. Bon, à la fin, j'allais juste vomir en fait. Bah.